L'intervention chirurgicale de pose d'implant doit être pratiquée par un praticien implantologiste formé et qualifié. La seconde étape peut être pratiquée par tous les chirurgiens dentistes qui sont à même de poser des couronnes ou des prothèses sur leurs implants. Il y a différentes façons de procéder. D'abord, tous les dentistes ne posent pas d'implants. Donc, nous, implantologues, avons généralement un panel de correspondants qui nous adressent des patients auxquels on pose des implants en écoutant bien évidemment et en respectant ce que le dentiste traitant souhaite réaliser. Effectivement, après, il y a beaucoup de cas qui peuvent se présenter. D'abord, le patient qui est suivi par un dentiste qui ne lui parle pas d'implantologie et qui, pour remplacer une dent, va lui proposer uniquement une solution classique par bridge, mais grâce à la médiatisation aujourd'hui des implants, tous les patients ont entendu parler de cette solution qui permet d'éviter de mutiler des dents voisines. Et donc vous avez des patients qui vous téléphonent simplement parce qu'ils savent, par le bouche à oreille ou par votre réputation ou par en passant simplement devant votre cabinet, savent que vous posez des implants et veulent avoir des renseignements, savoir si dans leur cas il est possible de poser un implant. Généralement, l'implant n'est pas posé en situation d'urgence, en tous les cas à l'hôpital. Ça se fait parfois en cabinet, c'est-à-dire qu'il nous arrive aujourd'hui de recevoir un patient avec une incisive, donc une dent de devant fracturée par un traumatisme. Et on sait que dans ces cas-là, aujourd'hui, on a de très bons résultats en enlevant la dent, posant l'implant lors de la même séance et en mettant même une couronne provisoire sur cet implant immédiatement. Dans ces cas-là, le fait de poser un implant immédiatement et de mettre une couronne provisoire le jour même de la pose de l'implant va permettre d'éviter de perdre de l'os. C'est ce qui se produit lorsqu'on enlève une dent, que le patient reste édenté en attendant la cicatrisation osseuse et on se retrouve avec derrière une situation dans laquelle on est obligé de réaliser une petite greffe osseuse pour pouvoir poser l'implant dans des conditions esthétiques acceptables. Des praticiens qui pratiquent à l'étranger, il y a de tout, comme en France, hein, il y a de très bons, de moins bons. C'est vrai que leur coût de cabinet coûte moins cher que chez nous, mais comme pour la chirurgie esthétique, je dirais qu'il y a un aspect pernicieux des choses, hein, et qu'on fait du soin, mais on ne peut pas faire du soin comme on achète un produit fini. Hein. Donc il y a effectivement tous ces problèmes de responsabilité médico-légale, il y a un problème de suivi. Donc il faut bien raisonner que c'est du soin, que tout soin a des aléas, et qu'il faut avoir un praticien, je dirais, de proximité pour pouvoir gérer la chose.